شكرا لك بلو. لا فيديو سي بلي. La vidéo, si on peut, bon. Si on peut la préparer. Ouais. Ouais. J'ai besoin du stylo aussi, s'il vous plaît. C'est un peu pour résumer ce qui s'était passé le premier match. On va juste faire un mini résumé comment on avait défendu contre cette équipe, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, quel avait été le plan. Donc là, je récapitule rapidement l'Algérie en vert. Karim, on a vidéo Sénégal, Algérie. Ouais. C'est tout. Oui, oui, il y a 5 secondes de vidéo. Stop. Juste dire direct. Au début, on fait un arrêt sur image sur le début et après, je vais y venir. Donc là, d'abord, j'explique un petit peu les pions. Donc, on est en vert, l'Algérie, donc les quatre défenseurs, un numéro 6, Alden Guedjura, les deux numéros 8, Feghouli, Benacer, Belaïli, Mahrez et Bounedjah devant. Et eux, ils avaient joué aussi avec quatre défenseurs en rouge, un numéro 6, deux numéros 8, et deux ailiers, ils étaient vraiment des ailiers, et un attaquant de pointe. Mmh. Et une des stratégies qui avait été adoptée, et là aussi, c'est pour ça que c'est un peu important d'en parler, parce que c'était Koulibaly. Donc ici, il y a Koulibaly qui jouait. Et donc, la tactique un peu qui avait été mise en place, c'était d'un côté, l'empêcher, lui, de faire le jeu. De faire la relance. En même temps, ça permettait de paralyser tout ce côté-là. Et ici, il y a Sadio Mané. Donc, c'était les deux points. En le paralysant, lui, on empêchait le jeu de se développer de ce côté-là et on forçait l'adversaire à passer par ce côté-là, qui n'était pas le point fort. Donc, il y avait Bounedjah qui était là et qui était resté souvent là-dessus. C'est pour ça que là, sur l'arrêt sur image, si on regarde Bounedjah où il est là, c'est le Sénégal qui est en possession de la balle. Mm-hmm. Et il y a Bounedjah qui est à côté de Koulibaly. Donc, c'était vraiment assez flagrant pendant le match. Même quand le bloc de l'équipe était bas, il y avait Bounedjah qui était collé à Koulibaly. Et il y avait Feghouli, je l'avais déjà expliqué. Il y avait Feghouli qui venait ici. Je ne sais pas si on peut montrer au tableau, ouais. Il y avait Feghouli qui bloquait ici, et il y avait Adlen Guedjura qui venait là, et Benacer qui venait là. C'était comme ça, mais après, il y a des choses... Je veux qu'on gagne demain la finale, alors il y a des choses... Je ne sais pas jusqu'où il faut que j'aille, parce que je ne sais pas si on est suivi ou pas. Donc voilà, et ça avait plutôt bien marché. Et entre autres, quand on avait montré le travail de Feghouli, qui était intensif, pour la récupération du ballon, ben on voit que voilà, c'était lui qui était là. Il passait du côté droit dans l'axe à défendre et récupérer les ballons. Et ça avait porté ses fruits. Après, vous pouvez laisser continuer l'action. Celle-là, elle s'est pas finie par un but, mais bon, c'était une bonne opportunité. Oh là là. On dirait le mec au Niger, mais... Maintenant, on peut, s'il vous plaît, vous pouvez mettre les deux autres photos. Voilà. Ah, maintenant, oui. Donc maintenant, c'est sur le prochain match. Le Sénégal a aussi évolué par rapport au dernier match. Il joue un petit peu différemment. Si on regarde le positionnement contre l'Algérie, on voit qu'il y a, voilà, il y a les deux ailiers et il y a l'attaquant qui est en pointe. Alors que le dernier match contre la Tunisie, et là je rejoins à ce que tu nous as dit, c'est-à-dire qu'il y a un vrai point de fixation, le numéro 9, et les deux ailiers, Mané... Karim, si tu reprends ta place un petit peu. Ouais, c'était pour que le public puisse voir. Mais donc, il y a les deux ailiers qui sont un peu plus centrales. Et donc, ce qui montre que c'est un vrai point de fixation pour Niang, qui est un vrai point de fixation pour le Sénégal. Et donc, c'est ce que j'expliquais avant quand il y avait Bouguera au téléphone. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent, les attaquants, ils sont plus reliés ici, c'est qu'ils essayent la combinaison avec Niang qui vient ici. Et l'objectif... Quand un attaquant il fait ça, c'est essayer d'attirer les défenseurs avec lui pour libérer cet espace-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que les attaquants, ils plongent ici. Et là, je vois, j'ai regardé encore une statistique, on ne l'a pas affichée, mais 76% des actions dangereuses du Sénégal, le dernier match, sont été dans l'axe. Donc c'était beaucoup plus qu'encore les derniers matchs. Ils ont vraiment densifié, j'ai augmenté cette statistique-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un stéréotype... d'essayer, voilà, j'exagère, de jouer là, de remettre un joueur, et après de chercher la profondeur pour un des attaquants. Donc ça sera une des clés défensives. Donc quand on parlait tout à l'heure des défenseurs qui montent, c'est dangereux, parce que si celui-là il est déjà tiré là, il faut que celui-là il couvre là derrière. Donc ça sera aussi une des clés défensives pour à résoudre pendant ce match-là. Lounes, Farouk. Demain, je pense... il a tout dit, le petit joueur, il a étudié déjà, moi je n'ai pas étudié ce jeu. Mais je pense qu'Andoul Haq a une bonne analyse qui est Cheikh Hamissi.
C'est dommage, on avait une scène vidéo, mais on n'a pas pu, on n'avait pas le droit de l'afficher. Il y aura des duels, beaucoup plus de duels. Oui, oui, donc, mais ça, c'est la base. Après, moi, là, je focalise sur un petit point. Il y a beaucoup d'autres aspects au milieu de terrain, en attaque. Des tâches. Ils vont être, à un moment donné, ils vont être directs, peut-être. Oui, c'est possible. Direct, c'est possible. À un moment donné, parce que c'est une finale, généralement. Les deux. On va chercher Bounoudia demain. On va profiter de l'absence de. Les deux. Conférence de presse, il a dit que cette finale va se jouer en micro-détail. Oui, micro-détail. Bah, l'un des détails aussi, c'est qu'est-ce que va faire avant Bounoudia. Il était là sur Koulibaly. Koulibaly, il n'est pas là. Qu'est-ce que va être son rôle maintenant? Dire ok, tu restes ici pour empêcher ce côté-là. Tu restes là et puis je sais pas. Il y a tellement peut-être, de possibilités. Peut-être là, cette fois, il va bloquer le numéro 8. C'est possible. Le 8, c'est le capitaine. Parce que le 8, c'est lui qui monte avec la balle. C'est lui qui est là. On a vu l'action au Firolé, là. Où Firolé, il a récupéré le ballon. Le numéro 6, il a un gabarit 1m90 comme ça. Il est lourd. On va profiter. Ils vont voir le même match. Eux, ils vont travailler sur le match Algérie-Sénégal. Nous, la même chose. On a fait le match. Le problème, c'est qu'on a commis beaucoup de fautes dans la zone Tana. Le match en Sénégal. Bad naqassna les fautes. Donc, il faut éviter les fautes, les balles arrêtées parce que pour les balles arrêtées, justement. Les balles arrêtées, ils ont des gabarits. Et Dirouna a la différence sur les balles arrêtées. Donc, Belmadi, il va voir ça. De là, jusqu'à maintenant, Mazem, on a fait des vidéos match chez Hamessi. Le courant Thabita, les derniers. Le courant Thabita au Sénégal, dans le compte, mais les autres matchs, les clés du match. Premièrement, il y a deux joueurs. Mané et Nyang. Demain, il ne va pas jouer. Mais lazem chi laabou. Lazem tkoun hirasa w raqaba alayhom. Lakin law nwassel lwassel meydan tana yqom bdaght ali al wassel meydan tahom w nfakou kourat fi el meydan fi el wassel andhom rah ta'tina ihtimalat kbira bach nsajlou ahdaf. Lakin nqoul w n'aawed hadi el moubara ta ghadan machi nfsha ta moubarayat ta el mejmoua. Un autre état d'esprit, une autre abad okhra, lianna ghadan mubarat tribad el kas dans les laabin hatta sénégaliens rah ydkhlou b irada qouya dans mubarat ghadan tetlaab akthar ala el janib el dehni ma3nta el mental laabin li ykounou akthar bourouda w mentalement fort houma li yfouzou mubarat li hada nتمنى laabin tawana ما يدخلوش في النرفازة ويتحكموا في الأعصاب تاعهم. إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقنا. إن شاء الله.